Deuxième étape, la reformulation positive. Elle vous permettra de venir à bout intelligemment de la plupart des résistances. Il s'agit d'accuser réception de l'objection en la reformulant. Et non pas avec des trucs de débatteurs de type « très bonne question » alors qu'ils ne le pensent pas. Voici un exemple de reformulation d'objection que vous pouvez faire. Ce que tu estimes, Pierre, c'est que le produit est trop cher. Ce que tu me dis, Marie, c'est que tu ne crois pas à la réussite du projet parce que 3 petits points. Osez accueillir et reformuler, oui, même le négatif, au plus près de ce qu'a exprimé le client, est un acte de courage. Une reformulation réussie de votre part ? Votre interlocuteur vous répondra « oui ». Dans le sens « oui, c'est cela, oui, tu m'as compris ». En fait, la question n'est pas de savoir si vous êtes d'accord ou pas, ou si vous l'avez compris ou pas. L'important, c'est que votre interlocuteur se sente compris et qu'il vous le signifie par un « oui ». La charge de l'attaque est tombée de 70% simplement par une reformulation positive. Un sujet délicat est amené en réunion et vous savez qu'il donnera lieu à des objections. Listez-les et préparez vos réponses. Voici quelques autres exemples. À l'objection, une vidéo de 10 minutes, c'est trop long. Vous dites, vous craignez que les participants décrochent avant la fin de la vidéo? La reformulation est un art. Elle peut commencer par ce que tu me dis c'est ou l'idéal pour toi serait. Ou encore mieux, commencez vos reformulations par tu te demandes comment, tu te demandes quand, tu te demandes si. C'est encore plus puissant. C'est un peu transformer l'objection en question. Tu te demandes si, comment, pourquoi ? À l'objection, le délai est trop court, vous dites « Tu te demandes comment, en 3 semaines, nous pourrons atteindre l'objectif ?» À l'objection « Je ne suis pas certain d'avoir besoin de votre produit », vous dites « Vous vous demandez ce que ce produit vous apportera de plus ?» Je vous le rappelle, la reformulation est réussie si vous obtenez un « oui » de votre interlocuteur. Oui dans le sens « Oui, c'est cela, oui, tu m'as compris ». Même si ce qu'il dit est a priori négatif, l'important, c'est que votre interlocuteur se sente compris et qu'il vous le signifie par un oui. Il faut un peu de temps pour apprendre à reformuler. Vous vous sentirez peut-être maladroit au début, au point que des personnes verront votre manège. Avec l'entraînement, vous passerez maître de la reformulation et vos interlocuteurs, se sentant compris et ayant reformulé leur oui, feront avancer le projet à pas de géant.